effectivement. Et parce que cette année, il y a aussi une règle de... La Coupe du Monde a toujours été un concours où on fait un peu d'innovation, on essaye des tendances. Et là, le dessert vegan rentre dans l'esprit du concours, de vouloir faire progresser le métier sur des pistes qui ne sont pas encore utilisées.